iPhone Power et d'autres qui vont mettre Samsung Power. Et celui qui a le plus de likes, forcément, gagnera cette grande finale Samsung vs iPhone. Je vais pas vous mentir, je ne vais pas vous. Voilà. Pour ma part, je suis plus Samsung que iPhone. En même temps, j'ai acheté un Samsung qui vont me pas. Bon, c'est dans le doute, m'a compris, mais iPhone sort. En soi, il n'y a pas grand chose que des partages. Parce que les deux sont extrêmement, 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 extrêmement d'une très bonne qualité. Mais voilà. Le but est là. C'est que il faut bien trouver l'intérêt de la grande finale. Il faut trouver le finaliste, le gagnant, le papa. Le papa des tels. Alors, tout d'abord, s'il y en a parmi vous qui ont des références pour je vous laisserai parler en commentaire. Question Samsung. Samsung, et du moins Android, sont les seuls à avoir créé un téléphone pliable. C'est pas mal. Alors d'aujourd'hui, vous pouvez retrouver des téléphones Samsung moins chers, pliables, moins chers que certains iPhones. Ça, c'est un avantage assez intéressant. Évidemment, chez iPhone, il doit y avoir des avantages aussi, mais que je ne connais pas, malheureusement, parce que je n'ai jamais eu iPhone, donc je ne peux pas juger. Mais parmi vous, il y en a qui doivent avoir iPhone, forcément. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils ont iPhone de bien. Mais je compte sur vous pour vous appuyer sur des faits réels, des faits solides. Pas la qualité, pas bonne, parce que la qualité de Samsung... Vous êtes nombreux à m'avoir dit un petit débrief sur ce téléphone au bout d'une semaine d'utilisation. Comment il va? Alors je t'avoue que j'ai très peur parce que je le déplie régulièrement et j'ai un peu peur parce que j'ai peur qu'il s'abîme, que la charnure ici s'abîme un peu. Alors rien ne se passe, tout va très bien. Donc voilà, j'ai acheté une coque de protection, une autre pour y faire très très attention. Et donc voilà, c'est de la très bonne qualité. Franchement, j'ai rien à dire. La caméra avant est moins bonne que la caméra arrière. À 1500 euros, j'aurais bien aimé que ce soit une très bonne caméra à l'avant aussi. Voilà. Les écouteurs, un peu déçu que ce soit des écouteurs avec fil. J'aurais bien aimé des écouteurs sans fil, hein, parce que Samsung a non de très bonne qualité. Mais 500 euros, ça aurait été bien de le mettre à la boîte. Après, l'avantage, c'est que c'est un 5G. Ça veut dire que celui-là, même dans 5 ans, il sera encore totalement timers. Alors qu'un téléphone 4G, on sait très bien que plus tard, il y aura la 5G partout et ça va être compliqué. Donc pourquoi pas? Ils ont été un peu plus futuristes, c'est cool. Alors, ce téléphone est extrêmement long. Oui. Samsung ont pensé à un truc, c'est un petit raccourci avec les boutons à faire pour réduire la taille de l'écran. Voilà. C'est un petit raccourci plutôt simple à utiliser, c'est cool. Alors, pour moi, mon verdict de Samsung a par rapport à iPhone, je vous laisserai commenter dans les commentaires. Oui. C'est, on va dire, l'originalité. C'est vrai que iPhone, ils ressemblent un peu tous, quoi. Samsung, ils arrivent à se départager avec la nouvelle gamme pliable. Sinon, à part des trucs pliables, c'est comme iPhone, hein, ça se ressemble tout. Tout se ressemble. Je pense que d'ici peu,
facilement, limite même, on y prend goût et on s'y attache. À tel point que on est très sensible à cet appareil. On se dit, j'espère qu'il va rien lui arriver. Parce qu'au prix où j'ai acheté, ça fait mal au cul. Bon, certes. L'avantage d'iPhone, c'est que pour leur tablette ou même leur téléphone, il y en a qui ont l'écran Retina. L'écran Retina est le meilleur écran que l'on peut trouver sur le marché. C'est vraiment un écran magnifique. Samsung, certains Samsung en sont équipés, mais surtout les iPhones. Hein, voilà. C'est vrai que pour le Samsung Z Flip, j'ai pas trop me plaindre de l'écran, puisque c'est un écran en verre qui se plie. C'est déjà pas mal, hein, faut pas trop en demander non plus. C'est déjà vraiment bien. Pour ma part, si je dois choisir entre iPhone ou Samsung, actuellement je choisirais plutôt Samsung. Mais un jour peut-être que après ce téléphone, j'achèterai un iPhone pour comparer les deux. Comparer un petit peu si iPhone ça tient la route ou pas. Je pense que oui, parce que iPhone c'est quand même des grands bonhommes. Ils sont badass. Ou pas. C'est vous qui me direz dans les commentaires. Voilà, le grand concours est lancé. iPhone versus Samsung. Qui va remporter? Qui est-ce qui a le plus de personnes à son achat, à son actif? Samsung ou iPhone? C'est vrai que c'est très serré. Parce que les Android, beaucoup de personnes utilisent les Android. Mais iPhone, ils se la racontent beaucoup. Donc, ils ont pas mal de connaissances, d'expérience et de qualité. Ça va être un combat très très serré entre les deux. Et je serais très très curieux de savoir qui va remporter. Peut-être qu'il y aura une marque qui sera bien au-dessus de l'autre. Peut-être pas. Voilà, peut-être pas. On va voir. Je suis sceptique. On verra. Peut-être que je vais être très surpris des commentaires. Voir un petit peu qui et pourquoi. Qui et pourquoi. Évidemment, je répondrai aux commentaires. Je les épinglerai. Je regarderai chaque commentaire pour voir un petit peu si Samsung dépasse Apple ou si Apple dépasse Samsung. Je serai un peu dégoûté, mais c'est le jeu. Sachant que je vais solliciter tous les commentaires, qu'ils soient Apple ou pas, je vais voir. Je vais mettre tous les commentaires en avant, d'accord? Je ne vais pas aimer que Apple ou que Samsung. Non, j'aime tout le monde. Et comme ça, c'est à vous de débriefer. Évidemment, je compte sur toi pour répondre à des iPhones ou à des Apple de façon correcte et respectueuse. Évidemment. Mais je serais curieux de savoir et de s'il y a plus d'iPhone ou de Samsung. Deux, s'il y a plus de personnes qui préfèrent les téléphones. Et trois, parce que Samsung, c'est résistant aussi, d'accord? C'est de la qualité. Voilà, ça faut, voilà. Une légende dit que lorsqu'un mec se fait agresser, il laisse quand même son Samsung, hop, il est... Ah, il est protégé, quoi, l'agresseur est un PLS. Ah oui, 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 oui. Voilà, ça, c'est la petite qualité de Samsung. Pour ma part, des bruits bizarres ici.